Qui l'eût cru qu'on allait tous se terrer sous terre, dans des lignes de métro. Je me souviens d'une époque où ça puait la pisse. Et on n'était pas sous la tyrannie du Reich. Bon, je tiens quand même à vous rassurer, ça pue toujours autant la pisse. Le seul bon point, ça dépend comment on voit les choses, c'est qu'aujourd'hui, on est tous dans la même merde. Salut tout le monde, Dieu les soldats, c'est Psycho. Aujourd'hui on se retrouve sur du Métro 2033. Et ça fait très longtemps, ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait. Je suis sur le serveur de Copa, tout est en description. J'ai vu qu'il y avait pas mal de monde et je me suis dit vas-y gros, aide, c'est quoi. Ça fait longtemps, hein. On va faire un petit plaisir, c'est parti. J'ai carrément zappé l'univers de Métro 2033, donc on va la redécouvrir ensemble. L'action se situe en 2033 dans un monde dystopique, dévasté par une guerre nucléaire dont les causes ne sont pas révélées. On va pas lire. Hop, on va rapprocher notre mic. Mon honneur et ma fierté, celle-ci s'appelle la loyauté. La Hansa recrute, présentez-vous devant un membre de la Hansa. Radio TS obligatoire. Non. Ah, vous avez un don pour la guitare, je vous entends au loin là. Ça me donne envie de danser, ça. Mais vous arrêtez pas, mais partez pas, monsieur. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu de la bonne musique. Sinon, venez prendre un verre chez votre barman. Je lis la tristesse sur votre regard, monsieur. Comment? Je vous sens triste. Non, ça va bien. Entre nous, vous êtes triste. En voyant votre visage, je me sens super triste. Non, mais ça, je ne sais pas, je suis comme ça. Ah, je suis vraiment désolé, alors. Vous voulez quelque chose? Non, ça ira, merci de proposer. Non, très bien. Faudra penser à ramasser ces mégots de cigarettes. Enfin, moi, je dis ça, c'est pour vous. Ah oui, je peux pas faire. Je vais y faire le soin, ça. Mais effectivement. Bon, je vous laisse dans votre tristesse, hein. Ça semblait bizarre, c'est bien ça. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Bonne journée, monsieur le J'espère triste. Pas. Le triste chauve. Mais le bonjour. Ouais, bonjour, monsieur. Vous me paraissez triste. Vous vendez quoi? Des armures? Quoi, vous avez combien? Ah, j'ai pas dit que je voulais acheter un truc. Je veux juste savoir ce que vous vendez. Pourquoi vous voulez savoir mon compte en banque, monsieur? Pourquoi je pas. Ah, on vend des armes. Vous êtes pas très commerçant, hein. Mais si, hein. Mais c'est à vendre, hein. Monsieur, vous avez un problème avec votre mâchoire, je crois. Vous parlez à moi? Oui, je parle à vous. Vous êtes nouveau ici? Ça se voit tant que ça? À vos habits. Ouais, c'est vrai que les tiens sont assez sales. Enfin, j'ai les vôtres, jamais désolé. J'ai vu votre tronche dans la station. Mais bon, je vous préviens. Prévenez-moi. Vite avoir des ennuis ici, d'accord? Donc je vous conseille pas. Ah, moi, je suis là pour distribuer de la bonne humeur. Je vois que même vous me paraissez triste. Oula. Et je te suis des yeux, je te suis du regard. Au revoir. Vous voulez des passeports? Des passeports pour quoi faire, monsieur? Dites-moi tout. Passeport ou pas? Ouais. Ouais. Suivez-moi. Un petit zedou. Où est-ce qu'il m'emmène? Ouais, je sens le traquenard, là. Est-ce que t'as envie d'un peu qu'on sorte de la merde? C'est-à-dire de la station et un peu être libre. Propose-moi du RP, mon gars. C'est un peu assez strict. Ah, ça m'intéresse pas mal, ouais. Ah oui. Parfait. Je te fais gratos. Comme vu que t'es, j'ai jamais vu ta tronche. Comme je t'ai jamais vu, je te le fais gratuit. T'es un inconnu, c'est gratuit pour toi. Tu cherches des cigarettes ou pas? Si t'en as une à me proposer, moi, je dis pas non. De toute façon, vu l'atmosphère... Donne-lui en une, Richard. On peut se détruire les poumons. Je te la fais gratos, on est sympa. Yes, merci. Par terre. Bon, par terre. Déjà, donc je te dis très clairement, est-ce que t'as une arme à feu sur toi? Non, je suis vraiment. Je viens vraiment d'arriver. Est-ce qu'on en paie une? On va sortir et il veut aussi un peu être libre. On peut le faire sortir par derrière. Tu sais très bien que la Hansa, ils veulent qu'on soit nombreux pour sortir. Allez, suis-moi. C'est très bien, Yuri. Suivez-moi. Aïe. Faut qu'on tape la porte. Tu sais que c'est une porte blindée, hein, t'arriveras jamais à l'ouvrir. On va se faire opérer, putain. C'est déjà qu'on a des problèmes avec la Hansa. Range ça. Vas-y, je te préviens si t'arrives. C'est la porte. On va se faire opérer, on est dans la merde. Je suis en train de chercher un endroit où me cacher, perso. Attends, j'ai bloqué. On se barre. La porte, elle est blindée par rapport à toi.
C'est maman, hein. Bonjour. Tu verras. Hein. Bon, c'est quoi, on va partir légalement, Yuri. Armuré, on voudrait un Weldrock là. Une arme, la moins chère, la Weldrock là. Faites ça vite, hein, sinon je vous crache tout la fumée à la gueule. Le nouveau là. T'as combien d'argent le nouveau? Je suis pas à beaucoup là, je suis à 900. Tiens, prends ça, tu me sors l'arme la moins chère là. Putain, ils me mettent bien, c'est con, hein. Change-toi là, on dirait une tafiole là. Change-toi là, on dirait une tafiole. Je fais ça vite. Les cons. C'est bon, arrête, toi. Mon frère est un peu brutal, hein, c'est-à-dire qu'il a vécu pas mal de choses, hein. C'est mieux comme ça? Bon, allez, viens. Ouais, c'est mieux. Bah, on est trois. Avance. Ouais, on va y aller quand même par un. Pourquoi j'ai pas un passeport? Alors, dites-moi votre âge, dites-moi la raison pourquoi vous voulez sortir, dites-moi ce que c'est. Paye ton entrée, t'as déjà payé ton arme, tu te démerdes. Et cher Kolovitch, on aimerait bien trouver quelques matériaux à la surface et aussi un peu respirer. Non, votre prénom, votre âge, votre raison de sortie et si vous avez une arme derrière. Yuri Kolovitch, 24 ans et j'ai un Luger. Monsieur, prenez votre arme, vous avez pas d'arme en main. Prenez votre arme et mettez-la dans votre safe. Ça marche. Putain, il est en speed là, il a trop de café le gars. Vous pouvez venir avec passeport en main. Sur votre nom, votre prénom, votre âge, votre raison de sortie, si vous avez une arme derrière. Alors, je m'appelle Robert Philippe, j'ai 31 ans. On sort pour récupérer des ressources. Oui, nous compliquons en tant que survivants, hein. Niveau de la nourriture. Prenez votre arme en main. Et monsieur, c'est interdit de fumer, c'est interdit de fumer ici. C'est interdit de fumer ici, monsieur. Dans on est mal sortir ici. À la douane, c'est interdit. Votre arme, d'accord. On est mal sortir. Gate B. Collègue, prends ma place. Prends ma place à la douane. C'est ça la gate B. What? C'est mort, on passe pas par les fenêtres, nous. Sinon, Yuri, le petit frère, il arrive ou pas? Il arrive. Ok, parfait. 1, 2, 3. Demandez son nom. C'est quoi ton nom, le nouveau? Appelez-moi Robert. Ça marche, Robert. Moi bien. On est dehors maintenant. T'essayes de nous niquer un par un, je te bute. J'ai aucune confiance en toi. T'as compris? Ouais, t'inquiète, pas de soucis. Je vais pas vous poser d'emmerde. T'as compris? Alors, c'est bon. Oh. Ok. Ils sont trop chauds. Ce qui se passe ces temps-ci, dont les mutants et les. Des anomalies, est-ce que tu connais un peu ce genre de choses? Ouais, j'en ai entendu parler. D'accord. Bon, bah, moi et mon frère, on était un peu, à l'époque, chargés un peu de tous les éliminer, dont les mutants et les anomalies. Chelou. Un peu, on devait faire des recherches dessus. Ouais. Perdu notre boulot, parce que ces putains d'Anza, ils ont pris justement notre boulot et ils gagnent plein d'argent. On s'y fait jamais. Retourne-toi, viens. Est-ce que ça t'intéresse de, comment dire, respirer un peu l'air frais? Tu veux aller à l'extérieur? Ouais. Ça me tente pas trop. Ici, Yuri, je ramène quelque chose. Le nouveau aussi reste. Ça fait longtemps que j'ai pas mis le pied dehors. Dehors, ça me rassure pas trop. Oh, avec tous les monstres. On n'est pas assez armé pour. Bien sûr, les filtres. Ah oui, il est en train de prendre le masque à gaz. Voilà. Eh, tiens, prends ce masque. Prends ça, tiens. Parfait. Bon, on va faire une petite expédition à la surface. Donc là, ça va être déjà très dangereux. Faudrait qu'on trouve des munitions et des filtres, d'accord? Parce que là, j'ai qu'un seul filtre et ça va pas tenir longtemps, hein. Environ que 30 minutes. Donc c'est-à-dire qu'on a 30 minutes pour donc faire l'expédition à la surface. Bon, allez, on y va. Voilà. Oh, bonjour, messieurs. Vous allez bien? Bien. Vous m'avez l'air essoufflé. T'es mort, sale con, va. Sur le master, ça recoupe dans le corps, d'accord? Je suis vraiment désolé. Range ton arme, là, Yuri. À chaque fois, t'es vénère et tout, là. Range ton arme. Alors, c'est un petit nouveau, ça. Ouais, je m'appelle Yuri. Disons qu'on s'est un peu échappé avec mon pote. C'est une dictature, hein. Ils vous exécutent direct, hein. Ils vous mettent à la prison pour le cas. T'aurais pas quelques filtres, là? On a que 30 minutes. Il nous faudrait quelques filtres. Envoie-moi ton feu. Ouais, je te passe ça. Comment ça? Messieurs, bonne chance, hein. Non, pas à l'extérieur. Je crois que t'en as un? C'est tellement un clochard, t'as que des allumettes. Ouais, j'ai pas de com' payer un briquet. Par contre, faut sortir ses armes. Masque, là. Mets ton masque, Richard. Non. Ah, c'est bon, là, oh. Putain, j'arrive même pas à parler. Arrête d'être agressif, là. Je voulais te montrer un peu mon crâne chauve, là, mais c'est pas grave. Faut qu'on se pose de l'argent, là. Tu vas attraper froid, comme ça, là.
L'argent, que l'argent, putain, hein. Putain, ça fait mal aux yeux, là. Oh,